Je vous ai présenté un tutoriel l'année dernière, quasiment un an jour pour jour. Hein. Concernant la taille des rosiers, eh bien, les voici un an après, par rapport à la réaction. Donc on voit des rejets assez vigoureux apparus. Assez peu de rejets de souche, malheureusement. Là, on en a un, bah, c'est intéressant, on va l'utiliser. Parce que je vous rappelle qu'on est sur de la charpente renouvelable, théoriquement. Celui-ci n'est pas très caractéristique parce qu'a priori il y a des fleurs qui ont été prélevées pour faire des bouquets. Mais on voit quand même qu'on a des très beaux rejets mis en valeur qu'on va pouvoir exploiter. Ainsi que sur celui-ci, voilà un rejet qui doit avoir à peu près 3 ans, ça doit être sa troisième année, qui est un peu plus vert que les autres, donc on va continuer d'utiliser pour préparer le renouvellement. Là derrière on en a un qui n'a pas... Il n'y a qu'à sécher, il y a beaucoup de bois sec cette année. Et puis pour le reste, eh ben, belle réaction. Voilà, a priori, il y a eu beaucoup de fleurs. Hein. Donc eh ben, je vais faire une taille d'entretien classique. De la réduction, de l'éclaircie, un petit peu de diminution si je peux. Et puis peut-être un peu d'éclaircie sur souche, suppression de vieux brins. Et voilà les copains qui viennent d'être taillés. Et voilà la taille. Voilà. Ready, bon.